Salut, c'est Laurent de BitsEchec. Dans cette vidéo, nous allons voir une notion fondamentale de la stratégie aux échecs, à savoir le développement des pièces. Pour bien comprendre cette notion, il faut retenir une phrase. Aidez vos pièces, elles vous aideront. Que signifie cette phrase? Elle veut dire que si vous voulez que vos pièces vous aident pendant le milieu de la partie, c'est-à-dire qu'elles créent des menaces sur le camp adverse, alors il faut que vous, au début de la partie, on appelle ça l'ouverture, eh bien vous aidez vos pièces, c'est-à-dire que vous les sortiez, que vous les activez, que vous les développez. Voyons ce qu'on entend par développer, activer les pièces. Regardez le cavalier G1. Le cavalier G1 actuellement n'est pas développé puisqu'il est encore sur sa position initiale au départ de la partie. Combien ce cavalier actuellement contrôle de cases? Il en contrôle une, deux et trois cases. Et vous voyez que ces cases sont sur les trois premières rangées, c'est-à-dire très loin du camp adverse. Ce sont donc des cases qui ne vont pas être très intéressantes pour attaquer l'adversaire. Et il n'y a que trois cases. Quand une pièce ne contrôle que trois cases, eh bien c'est très peu. Imaginons que les blancs décident de développer ce cavalier, c'est-à-dire de le sortir, est-ce qu'il contrôle plus de cases qu'auparavant? Eh bien, la réponse est oui, il contrôle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 cases. Donc, vous voyez que quand il n'était pas développé, il ne contrôlait que 3 cases, maintenant il en contrôle 8, donc c'est beaucoup plus. Et également, la qualité de ces cases a augmenté puisque vous voyez qu'on ne se contente pas d'avoir des cases contrôlées que dans les trois premières rangées. On est également au niveau des rangées 4 et 5. Et donc au niveau de la case D4 et E5, on est ce qu'on appelle au centre de l'échiquier. On reviendra sur cette notion de centre dans une vidéo ultérieure. Mais donc ce sont des cases beaucoup plus importantes à contrôler. Donc on a une quantité de cases plus importante, mais aussi une qualité de cases plus importante. Voilà ce qui amène le développement des pièces. Continuons dans cette idée. Imaginons que les Noirs décident également de développer leur cavalier dans le but, bien sûr, de contrôler plus de cases. Mais nous allons plutôt suivre les Blancs. Donc maintenant, les Blancs, eh bien, ils devraient développer d'autres pièces. Ce qu'ils ont fait pour leur cavalier, il faudrait le faire pour d'autres pièces. Le problème, c'est que le cavalier est la seule pièce qui peut bondir au-dessus des pions. Donc, pour pouvoir développer les autres pièces, il faudra au préalable bouger les pions. Par exemple, si les blancs veulent développer le fou F1, ils vont devoir bouger un pion. Notons au préalable combien le fou en F1 contrôle de cases. Eh bien, il n'en contrôle que une et deux. Encore, ce sont des cases sur la deuxième rangée, donc c'est extrêmement faible. Pour pouvoir développer ce fou, eh bien, les blancs vont décider de jouer un coup de pion, en l'occurrence le pion E2 qu'ils vont aller placer en E4, et de ce fait, eh bien, le fou aura la diagonale qui va se libérer. Donc les blancs jouent E4. Regardons ce qu'il s'est passé. Les blancs jouent E4, ce faisant, ils n'ont toujours pas bougé le fou F1, et pourtant, ce fou contrôle désormais plus de cases. Souvenez-vous, avant, quand le pion était encore en E2, le fou contrôlait que deux cases, la case E2 et la case G2. Qu'en est-il maintenant? Il contrôle toujours la case G2, il contrôle toujours la case E2, mais il contrôle également D3, C4, B5 et A6. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus que deux cases, sans même avoir bougé cette pièce. Continuons pour les Noirs. Les Noirs décident également de faire E5, probablement dans l'idée de développer leur fou également. Maintenant, les Blancs décident de développer leur fou. Donc, comptons avant le développement combien de cases ce fou contrôle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va voir si une fois que le fou sera développé, eh bien, est-ce que ça va contrôler plus de 6 cases? Et surtout, il faudra aussi noter la qualité de ces cases. Les blancs décident de jouer leur fou en C4. Comptons le nombre de cases que contrôle le fou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc vous voyez que c'est plus que quand le fou est en F1. Maintenant, voyons la qualité de ces cases. On voit que les cases
importantes que le fou contrôle et qu'il ne contrôlait pas en F1, eh bien, ce sont, je vais les mettre en rond vert, la case D5 qui fait partie du centre, la case E6 et la case F7. Pourquoi ces cases sont importantes? Parce que elles sont au centre de l'échiquier et surtout, elles sont à proximité du camp adverse. Et donc, eh bien, ça peut créer des menaces ultérieurement dans la partie. Donc voilà l'intérêt d'avoir développé le fou. Les deux camps devront de la même façon développer toutes leurs pièces. Nous venons d'expliciter la notion de développement des pièces. Pour résumer, le développement permet aux pièces de contrôler plus de cases, mais également d'avoir un contrôle de cases de meilleure qualité, c'est-à-dire contrôler des cases qui attaqueront plus facilement le camp adverse. Si vous souhaitez aller plus loin dans cette notion de développement des pièces, reportez-vous à la vidéo partie 1 dans la playlist partie commentée. Si vous préférez voir d'autres éléments stratégiques du jeu d'échecs, reportez-vous à la vidéo intitulée Le centre dans la playlist stratégie. Merci de suivre Blitz Échecs et à bientôt!